Salut, salam, shalom les gars. Aujourd'hui, petite vidéo, on va affronter un très 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 grand joueur. Il nous vient d'Argenteuil. Non, il vient pas de Paname, il vient d'Argenteuil. Attaquant du Minsk FC, meilleur buteur du Minsk FC avec 3 buts. C'est le monsieur de mesdames, c'est le métis aux yeux bleus. J'ai envie de vous présenter ici maintenant. Nathan. Salut les gars, ça va ou quoi? Vous-même a gentiment invité sur sa chaîne, c'est un honneur pour moi. C'est un honneur pour moi d'affronter le meilleur attaquant. En fait j'ai le syndrome de Stockholm. Genre je joue un match contre Minsk FC, je perds 7-1 et je fais quoi derrière? Bah, j'invite leur meilleur buteur. Façon de réconforter, on va dire entre guillemets. Certaines façons de me venger aussi, s'il arrive à me battre bien sûr. On va partir sur quelques petits défis avec Nathan, d'accord, des défis que vous avez sûrement vus sur ma chaîne. Là cette fois-ci il y aura pas de but, il y aura pas de gardien, ça va pas être des taux de but. Là on va faire un sniper football, vous verrez ce que c'est. On va faire le défi que vous avez vu sur la première vidéo où je vais faire des fêtes impossibles, c'est-à-dire un corner rentrant en volée. Et le dernier défi qu'on va faire, ça va être un crossbar 30-40 mètres. Ça devrait faire. Ça devrait faire. On part sur ça, 3 défis. Nathan contre Boumé, le meilleur attaquant du Vitesse KFC contre celui qui s'est pris 7-1. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Bon les gars, alors pour vous dire la vérité, j'avais oublié d'allumer le micro sur ce passage là, voire sur tout le défi, j'ai oublié d'allumer le micro. Donc on va partir sur le premier défi. Le défi c'est frapper d'une reprise de volée et la mettre dans les buts, d'accord? Le défi que vous avez sûrement vu sur ma chaîne, sur ma première vidéo du défi de l'impossible. Donc Nathan appréhende un peu ce défi, moi aussi parce que je suis pas chaud, je suis pas échauffé, il n'y a rien. Mais on va essayer de faire les choses bien, on va essayer de battre Nathan, etc. Donc c'est parti pour le premier défi les gars. Alors les gars, il s'est passé ce qui s'est passé, ça s'est bien déroulé et tout. Mais votre Boumé a oublié d'allumer le son, a oublié d'allumer son micro. Donc les gars, je vous le redis, on va partir sur le deuxième défi. Le deuxième défi, c'est le défi crossbar à partir des 40 mètres, d'accord? On est à 35-40 mètres de but, le premier kilomètre à gagner. Donc les gars, c'est parti pour le deuxième défi, défi crossbar contre Nathan, meilleur buteur du Minsk FC. Let's go. Okay, c'est pas bon, je te check. Merci, regardez maman comment elle est restée entière. Merci. Code passe, c'est pas marrant. C'est pas marrant, hein. On a dit qu'il fallait cadrer pour ce défi de crossbar, donc je pense que la balle doit être cadrée. Hein. Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai eu peur, les gars, j'ai eu peur. Ça, c'est du ressenti, j'avais qu'à rentrer pas. Bon, les gars, Boumé, il a mis le niveau assez haut. Je suis obligé de égaler son niveau, quoi. Ah oui, et à noter que sur le défi, où il n'y avait pas de son, là. Sur la partie, il n'y avait pas de son. On jouait pas, on faisait pas le même défi lui et moi. Moi je faisais le crossbar challenge, lui il faisait vise les parents des joueurs à la bas challenge. Je faisais que de viser sur les gens, c'est un truc d'autre. Hein, les gars, parce que si vous voulez une technique, bon, je suis pas professionnel dans la matière, mais si vous voulez une technique pour le crossbar, verrouillez votre cheville et faut que ça tape d'un coup sec. Pas enroulé, pas extérieur, coup sec et cheville verrouillée. Si jamais je verrouille la cheville, ça donne ça. Passe pas loin celle-là, je suis resté, il y avait un moment de silence, oh, est-ce qu'elle passe, est-ce qu'elle rentre, pas? Oh, j'ai pas de chance sur ce défi, j'ai vraiment pas de chance sur ce défi. Oh ouais. Ouh, en vrai, passe pas loin. Mais bon, il triche encore une fois, je ne dis ça, je dis rien. Alors, on attend, faire. C'est triché, c'est incroyable. Les gens qui regardent la vidéo là maintenant, tout de suite là, en quelle classe vous êtes quand votre copain est tiré? S'il vous plaît, Boumé il a de la barbe, il a une certaine expérience, il fait des matchs de YouTube FC contre le Minsk FC, et à son âge, il fait... Ça ne passe pas loin ça, elle ne passe pas loin, je commence à stresser. Un des deux va la mettre et j'ai peur que c'est lui qui la mette en premier. Elle passe pas loin les gars. Oh, ça la passe pas loin, ça la passe vraiment pas loin, genre elle passe à quelques centimètres. Là c'est de la malchance, c'est tout, c'est juste de faire le pas passer, c'est tout.
là, ce défi me saoule. Ce défi me saoule, j'en ai marre de passer à 1 cm à chaque fois. Bon les gars, là j'ai plus le choix, là il me met trop sous pression là. J'ai gagné le premier défi, et là je suis obligé de gagner le deuxième. Le salaud. Ouais, il a mis les gars. Bon premier, on dit quoi? Je savais qu'il allait la mettre en premier donc. C'est quoi? C'était sur l'un, sur l'autre. Salut, shalom, shalom. Non, commence pas, c'est trop compliqué pour toi. Ok, c'est... désolé les gars. Les gars, il a mis donc voilà. Je savais qu'un des deux allait la mettre là, dans Assassin's sous peu. C'est un coup de chance donc c'est lui qui l'a mise avant. J'ai pas réussi à la mettre. Il gagne le deuxième défi. On est à un score de 1-1 dans la vidéo. Dernier défi, le petit défi que j'attends depuis tout à l'heure. On va mettre en place le Sniper Challenge. Je tiens à dire maintenant que je connais pas ce challenge. Hein. Et il va kiffer, genre, je suis sûr qu'il va kiffer. Donc les gars, c'est parti pour le troisième défi, le défi que j'attends depuis le début de la vidéo en vrai. On va faire le Sniper Challenge. Et c'est un challenge, vous l'avez sûrement vu sur la chaîne de la F2 Freestyle. Et les gars, ce challenge il est archi lourd. Alors c'est simple, un de nous deux va devoir traverser la surface de réparation en courant. Mais non. Il commence à douter ce que c'est, il commence à savoir ce que c'est. L'autre personne qui ne traverse pas de la surface pose un ballon à l'entrée de la surface et son but du jeu ça sera d'allumer la personne qui traverse. S'il arrive à le toucher, il gagne le défi. Pourquoi je suis venu? Shifumi. Shifumi aveugle. Même pas besoin de regarder, je sais que j'ai gagné. Je vais me régaler. Ok, il a réussi, c'est sauvé. À mon tour d'aller dans la surface, on va essayer de traverser sans se faire toucher. Les gars, je suis soufflé. Je viens de courir toute la surface de réparation, je suis mort. Mais là on va rajouter une petite contrainte, dire que Boumi là-bas, enfin pas ici hein, mais à l'entrée de la surface de réparation, va mettre un cache-cou sur les yeux. Ça veut dire qu'il pourra plus voir et qu'il va accélérer à l'aveugle. C'est-à-dire que si je le touche, il va prendre cher. Est-ce que tu rates? Oh là là, elle passe Hey, ça fait archi peur, vous pouvez pas savoir. De ce côté. Il a chaud. Il a archi chaud. C'est à mon tour là. C'est à mon tour d'y aller. J'appréhende, j'ai peur. Attends, mais. Vous avez vu ce qu'il a fait? Il a couru. Je vais lui faire une entourloupe, regardez. Yes, m'en bats les couilles. Et voilà, la mort du célèbre attaquant du Minsk FC. La mort du célèbre attaquant du Minsk FC, ici en direct sur ma chaîne. Alors? Oh, j'ai pris une balle dans l'épaule. Ça c'était pour le 7-1 ça. Une balle dans la tête. Ça c'était pour le 7-1 ça. Oh putain. C'était pour le 7-1. Et c'est bien vengé les gars, c'est bien. T'as une surprise, la vidéo sortira. T'as une surprise. Je le sens pas ça. T'as une surprise. Bon les gars, la vidéo est terminée. Donc voilà, c'est une victoire de Boumé contre le meilleur attaquant du but de KFC. C'était la petite. C'est revanche. En quelque sorte ma petite revanche après la défaite qu'ils m'ont fait subir. Regarde le 7-1 qui a été vraiment très sale, donc là c'est ma petite revanche contre l'Isla FC. Je sais que vous allez me dire que ma victoire n'est pas trop méritée. Ok, ça je veux bien. Mais en vrai, de vous à moi, on a rien à foutre. Une victoire c'est une victoire, je m'en fous. Non, bien joué à Boumé, Je me fais tellement douiller sur ma chaîne à chaque fois, il faut bien que je me douille de temps en temps. Donc là voilà, donc j'ai réussi à avoir une victoire contre le petit Nathan, le petit prodige. Donc vous allez sûrement le voir dans la chaîne cette fois-ci avec des défis, avec un vrai gardien. On va le tester sur les frappes un peu, parce que je pense que c'est ça qui fait l'essence de ma chaîne, les top buts et tout. Donc on va le retrouver très rapidement sur notre chaîne. Si vous l'avez kiffé, si vous les meufs qui regardez, si vous le trouvez beau, je suis sûr que vous le trouvez beau. Je suis un homme marié, les femmes. Il y a son Insta dans la description. N'hésitez pas à me follow sur Insta. Il y a plus de followers que moi, donc à partir du moment, allez le follow.
D'accord. Mais surtout, venez me follow aussi parce que moi, c'est boumé, c'est boumé. Cool. Il y a des petites vidéos, lui, mais pas de petites vidéos, lui, mais juste des photos de lui torse nu comme ça, qui regarde la caméra de façon. Il y a aucune photo torse nu, c'est faux. Avec un regard ténébreux. Vous pouvez aller regarder. On voit combien qu'il y a une photo torse nu. Je vous la mets là. Je vous la mets là. Allez, voilà, elle est ici. Donc les gars, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Si vous avez kiffé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner surtout. Il y a le type là qui prend de l'avance sur moi là, qui atteint les 20 000 abonnés. Je suis toujours à 16 500. Donc allez, venez, venez, faites-moi grimper, faites-moi dédoubler un peu là, parce qu'ils prennent trop la confiance. Déjà ils viennent sur ma chaîne, ils me battent. Ça, déjà ça me saoule. En plus ils ont plus d'abonnés que moi. Ah, oh, y a pas de quoi les gars. C'est quoi? Boumé et moi. Si jamais le type ils sont ouverts, on va aller les défier. Ah, on fait un duo Boumé et Nathan voilà. Contre Lucas et Tom. Lucas et Tom, vous voyez cette vidéo. Je sais que vous l'avez regardé. Je sais que vous l'avez regardé là. Ben voilà, vous avez un défi de la part de Nathan. Le match retour d'exhibition externe. Parce que ça va être le quatrième match. Bref, abonnez-vous, likez, commentez, allez voir son Insta, venez voir mon Insta. On se retrouve dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Les gars, ciao. En plus, je me suis griffé.